Salut, c'est Flav. Rapide vidéo pour vous présenter un nouveau produit de chez Gong. C'est un t-shirt de protection contre les coupures de foil. Donc déjà, rapidement, le carton, plutôt classe. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Le t-shirt. Donc en fait, c'est un peu comme un lycra. Donc il existe deux versions. Une manche longue avec capuche, c'est ce que j'ai pris. Ça coûte 149 €. Une version manche courte, sans capuche, qui coûte 129. Dispo en 5 tailles. Ça ressemble à une cotte de maille. En fait, c'est un tissu de protection. Ce qu'a fait Gong, c'est qu'ils ont pris la techno d'équipement de protection classique, genre sur les chantiers, des trucs comme ça, et l'ont adapté au sport nautique. Donc c'est classé 5 sur l'échelle de 1 à 5, donc c'est la meilleure protection contre les coupures. Donc ça va protéger la combarde des coupures et aussi toi, ce qui est quand même l'essentiel. Alors c'est vraiment une protection contre les coupures. Si on vient donner un coup de poignard dans le t-shirt, ça va transpercer, mais ça va quand même limiter l'impact. Donc c'est un équipement de protection qu'on rajoute par-dessus la combarde, par-dessus peut-être aussi l'impact vest, qui vient apporter une couche supplémentaire de protection. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à l'eau, je vais partir en 4 mètres là, et après on se retrouve pour voir ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Donc je fais 1m75, 72 kg, j'ai une combarde 5 mm, une veste d'impact Gong en M, et donc le t-shirt bodyguard Gong en M. On va voir ce que ça donne. C'est assez ample. Au niveau des bras, c'est peut-être... ça sert pas, mais il n'y a pas trop de marge de manœuvre. On n'est pas gêné au niveau des bras, non. Au niveau du look, c'est un peu bizarre. Bon, ben, il n'y a plus qu'à essayer sur l'eau. Allez, c'est parti. Je sors de l'eau, j'ai pu faire une bonne session avec le nouveau t-shirt bodyguard de chez Gong. Qu'est-ce que j'en retire? C'est que sur l'eau, je le sens pas vraiment. Je peux pas dire que ça soit gênant. De temps en temps, quand je remonte sur la planche, j'ai la capuche là qui tombe un peu. On fait ça et puis hop, on n'en parle plus. Donc, globalement, c'est plutôt validé. Bon, j'ai pas fait de chute sur le foil, donc je sais pas ce que ça donne réellement en termes de coupure, mais si on prend les images de Patrice, ça doit faire le job. Donc pour moi, c'est plutôt validé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !